Kids, aujourd'hui on fait un essai super spécial. On essaye le Grand California, un super camping-car, et là vous pouvez peut-être le reconnaître. On est sur le pont du 25 avril, ce pont qui est à deux gouttes d'eau du pont que vous avez vu dans vos super séries de jeunesse. Et aujourd'hui on met le cap sur la belle vie, parce qu'on va aller faire du camping. Alors on dirait pas, hein. Mais là, je suis en train de conduire un camping-car qui mesure 6 mètres de long et 3 mètres de hauteur, avec une cabine à l'arrière et pas mal d'équipements, une boîte automatique. C'est hyper confortable, ça se conduit, mais tout seul, c'est impressionnant. Quatre roues motrices, des suspensions remarquables, et sur des routes chaotiques et défoncées comme celle-là, on ne sent rien du tout. Seul détail auquel il faut faire attention, les arbres, avec une hauteur de 3 mètres, c'est plus haut que le panier de Michael Jordan. Mais alors, à qui se destine ce Grand California? À tout le monde en fait. Aux jeunes amoureux adeptes du glamping, cette contraction de glamour et camping, aux retraités, aux jeunes amoureux qui veulent faire une petite escapade en amoureux. Et même moi, en fait, il me plaît ce Grand California. Bienvenue dans mon berceau nomade. Ici, on peut tout faire. Table, chaise, il y a même un frigo. Plaque au gaz. Un évier. Des toilettes, douche, le Grand California, c'est la belle aventure. Fini les soirées dans les 5 étoiles, dans les palaces, place au vrai camping. On peut tout faire à bord de ce camping-car. On peut écouter de la musique, on peut manger, on peut cuisiner, on peut même prendre une douche, aller aux toilettes, et il y a même un lit. Bon, c'est bon, t'as fini maintenant? Oui. T'es la femme, mais il faudrait que j'aille pisser. Ah ben j'ai des toilettes là, eh. Enfin, on va en profiter. On peut pisser tranquille, s'il vous plaît? Merci.